Salam alaikum, je m'appelle Mohamed, j'ai 40 ans, je suis technicien de maintenance depuis 20 ans. J'ai commencé en tant que bénévole et après j'ai intégré le bureau. Je suis responsable de la délégation maintenance et technique. J'ai avec moi trois adjoints. Un adjoint qui s'occupe de tout ce qui est plomberie dans le bâtiment, tout ce qui est petite bricole. Un autre adjoint qui s'occupe de tout ce qui est maçonnerie, peinture, béatrice, carrelage. Un autre adjoint qui s'occupe de la serrurerie. On a 7 bénévoles permanents en plus des adjoints. Tous les week-ends, les membres de l'association se réunissent le dimanche pour accomplir des tâches techniques. On recherche des bénévoles qui ont des compétences techniques, telles des électriciens, des plombiers, des maçons, des carreleurs, toute personne qui a des compétences techniques. Le rôle de la délégation est d'entretenir le bâtiment, de faire toutes les réparations, tout ce qui tombe en panne, on répare. On essaye de faire intervenir le maximum de bénévoles pour éviter les frais, sauf les interventions de sécurité, tout ça, on passe par des sociétés. Ce qui m'a poussé à œuvrer dans l'Institut, c'est déjà premièrement pour Allah, et deuxièmement pour faire avancer la communauté et mettre à disposition mes compétences techniques. Ma vision Institut 2025, c'est de racheter le bâtiment qui est collé à l'Institut et de faire tous les travaux pour la mettre en ordre, pour accueillir le public. On va avoir besoin de beaucoup de bénévoles et beaucoup de dons. On a besoin de beaucoup de dons des fidèles, parce que c'est aussi un projet qui permettra à tous les fidèles de pouvoir prier et de faire étudier la nouvelle génération. On a besoin de vous, aidez-nous à finir le projet. Allahou, Allahou, Allahou.